On retrouve donc deux des quatre meilleures équipes de cette Coupe européenne internationale. Oui, nous sommes en demi-finale. Le vainqueur aura le droit de continuer son parcours pour tenter de décrocher le titre en finale. On retrouve deux équipes assez proches l'une de l'autre, hein, Franck. C'est difficile de faire un pronostic. Ça devrait être assez serré. Alors, vous découvrez les joueurs qui vont composer cette équipe d'Offenheim aujourd'hui. Alors, je vous laisse regarder l'organisation en 4-5-1. C'est celle retenue par l'entraîneur. Voici donc la composition d'équipe. Schéma classique pour cette équipe avec un 4-4-2. Un stade où beaucoup de passionnés se retrouvent. Oui, il faut savoir par exemple que sur l'ensemble de la saison 2004-2005, 1,5 million de spectateurs sont venus dans ce stade. Et c'est un record en Bundesliga. Et cette demi-finale de Coupe européenne internationale, qui est, si je ne m'abuse, le premier match à élimination directe de la saison pour cette équipe. Oui, rappelons d'ailleurs. Et nous ne sommes qu'à l'intersaison, hein. Il n'y a pas de véritable enjeu, mais ces matchs sont précieux pour les entraîneurs dans leur préparation. Sa chance, bien négocié par le gardien. Et le ballon qui franchit la ligne, ce sera un corner. Pas de souci pour le gardien. Ce sera donc un corner. Repoussé par le gardien. Christian Fuchs. Ringmeter. Daniel Simpson. Leonardo Uloa. Carmichael aussi. Il va devoir protéger son ballon. Erdling. Aussi. Et il arrive à centrer. Oui, il a un peu d'espace. Oh, il faut l'arrêter. Ding. Leonardo Uloa, le centre vers la surface. Oh, l'arbitre a sifflé, va-t-il sortir un carton? C'est officiel désormais, hein. Kevin De Bruyne a signé à Manchester City. Provenance de Wolfsburg.
Bon, allez, sachez que la transaction va se situer vers une somme complètement folle qui ne sert à rien d'évoquer. Je vais clair. On s'approche du but. Polanski. Kevin Volland. Il va peut-être parvenir à trouver la faille. Ce ballon récupère son ballon dans votre jeu. Albrighton. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Peut-être le but. Gardien qui nous régale encore avec cette parade. Ah, il concède un corner. Attention à cette occasion. Gardien qui a bien conservé ce ballon dans les bras. Allez, centre. Ouais, corner, et il y aura danger dans la surface. Sera pas cadré, il va manquer quelques centimètres en effet. Polanski. Christian Fuchs. Kanté. Ouais, très bon contrôle. Daniel Simpson. Ils sont en train de confisquer le ballon là. Oh, il les fait tourner en bourrique, regardez ça. L'occasion peut-être avec cette frappe. Oh, ça file au fond des filets. La joie du défenseur après ce but. C'est vrai qu'en football moderne, Hervé, il y a de plus en plus de défenseurs qui n'hésitent pas à monter aux avant-postes pour faire la différence. Et ce but, cette fois-ci avec une autre caméra. Après cette ouverture du score, ça fait 1-0. Albrighton. On jouera 3 minutes en plus, 3 minutes de temps additionnel. Kevin Volland. Leonardo Ulloa. Plutôt réussi pour cette équipe qui mène donc d'un but à la pause. C'est elle hein, qui dicte le rythme et elle est bien partie pour accéder à la finale. Si elle se montre sérieuse pendant la seconde période, ça devrait bien se passer.